Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur le 7e continent, retour sur l'île maudite ce soir et j'en suis à ma 3e session et je fais un petit tour sur mon inventaire comme d'habitude avant de démarrer la vidéo avec Elliot Pendleton, donc l'apprenti toubib, hein. Voilà, avec, il est sale. Je me remettre dedans. J'ai ma besace ici, racine volante. J'ai l'Eubélis. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé sur une carte. Peut-être que ça va venir. On va voir. Il faut surtout que je la repère. Vert de roche adulte. L'esprit est plus fort. Je m'en suis pas servi. Et plus précisément, j'ai ces cartes-là. Donc, j'ai trouvé une première une espèce de statuette ou de statue, quelque chose comme ça. Merci pour tous vos conseils sur la vidéo précédente. Ils sont précieux parce que le jeu n'est pas facile. Hein, sachant que je n'ai pas une grosse expérience dessus. Le jeu n'est pas facile. Donc, en fait, si un petit peu d'aide, bon, c'est pas mal du tout. Je lance le générique. J'ai un petit peu changé la musique parce que je l'ai trouvé un peu vieux jeu. Puis, j'en ai un petit peu marre. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour tenter de descendre cette colline en espérant que je ne me casse pas la figure en bas. À tout de suite. Voilà, on va démarrer en mettant des cartes exploration partout où c'est nécessaire. Donc, ce sont des cartes de niveau 8. Hop. Voilà, et puis on va démarrer. Alors, ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que j'ai mis 3 minutes pour faire la mise en place du jeu. Donc, ça, c'est quand même tout à fait exceptionnel lorsqu'on a l'habitude de jouer Arkham. Une mise en place super rapide. Un petit mot sur les objets. Donc, j'ai donc une pelle, sarbacane, corde. Et puis en dessous, j'ai une torche, tige de bambou, et puis ici, une housse de protection. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Voilà, voilà, ben, je suis prêt à démarrer. Donc, on va, pour démarrer, on va directement découvrir cette carte. Une chaîne alimentaire, qu'est-ce que c'est que ça? Un rachetif grignote un insecte malchanceux. Il n'a pas encore remarqué votre présence. Les participants peuvent défausser des cartes ayant le mot-clé discrétion depuis leur main et ou leur inventaire. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous obtenez un succès à l'étape de résultat de l'action suivante. Alors, il faut 3 succès. Et si on a 3 succès, on a une carte 1 et on bannit cette carte. Si on échoue, le rat vous repère et disparaît dans une anfractuosité. Si plusieurs personnages participent à cette action, le joueur actif est dispensé de prendre une carte sans. On va essayer de s'approprier le chat. Alors, voyons ce que j'ai dans ma main. J'ai bandage, c'est une carte discrétion. J'ai volonté, j'ai agressivité et j'ai endurance. Bon, alors déjà, je pense que je vais prendre eh bien cette carte bandage. Et est-ce que j'ai une sarbacane? C'est l'instrument idéal pour tenter de dégommer ce rat. Alors, il m'a été conseillé de ne pas cumuler forcément les cartes avec le même mot-clé, en fait. Ce qui est intéressant, c'est aussi de cumuler peut-être les cartes avec le même sigle, hein, ce qui permet de rendre l'action beaucoup plus efficace. Et ce n'est pas du tout un mauvais conseil. Alors, je regarde si j'ai le sigle ailleurs. Non, je n'ai pas le sigle ailleurs. Donc, j'enlève ça, ça fait 2. Bim, je défausse cette carte. Et puis, donc la défausse, elle est ici. Je vais retirer les cartes de sauvegarde. Et donc, ça me fait bien les 3 succès. Donc, je vais prendre une carte 1 et je vais bannir cette carte.
À nouveau, viande et crustacés. Endurance et aliments. Alors, est-ce que je peux quand même cumuler? Pas du tout. Malheureusement, une seule carte, c'est pas beaucoup. Alors, est-ce que je la mettrais pas, plutôt que de perdre un dé, est-ce que je la mettrais pas sous une autre carte en fait? Bon, non, je vais. J'hésite. Alors, ce qui est sympa, c'est que j'ai cette carte-là. Cette carte-là, la housse de protection. Lorsque vous devez réduire la résistance d'un objet, vous pouvez réduire la résistance de cet objet à la place. Eh bien, je vais bannir cette carte et puis bah, c'est bon, on va pouvoir mettre la 253. Il faut que je reprenne mes trucs bannis. Alors, vous avez remarqué que je joue avec peut-être une figurine un tout petit peu différente. Hein, donc, ce sont celles de la boîte de base que Jérôme m'a généreusement donné, donc, puisqu'il a les figurines. Donc, je pense que je vais continuer avec ça. Ça fera très très bien l'affaire au lieu des figurines This War of Mine. Donc la carte 253. 253. Je la connais, puisque je l'ai vue la fois d'avant. Une falaise abrupte domine l'océan. L'érosion a creusé la roche par endroits, mais sa paroi vertigineuse n'en demeure pas moins impressionnante. Voilà, donc il va falloir que j'escalade et j'ai une corde pour ça. Donc on va essayer de faire ça. La question, est-ce que je regarde les autres cartes? Ben, je dirais oui, hein. Je dirais oui. Donc voyons ce qu'il y a là-dessous. Du poulpe en boîte. Chouette, une boîte de conserve. Pas de chance, elle est fermée. Merde. Seul poulpe n'est pas une grande fraîcheur, mais c'est toujours mieux que rien. Prenez 8 cartes au hasard dans la défausse et mélangez-les dans le deck action. Bannissez cette carte. Utiliser cette carte ne réduit pas la résistance de l'objet. Alors j'ai le choix entre le prendre tout de suite ou ne pas le prendre. Donc je peux le glisser sous un autre objet. À la limite, ça coûte rien. Hein. Ça coûte rien. Je vais le glisser là-dessous, comme ceci, et puis peut-être qu'à un moment donné, je pourrais m'en servir, mais pour l'instant, je ne peux pas. Voilà. Ok, donc carte 339, je vais quand même la mettre. 339. Un sentier monte en pente jusqu'à une monumentale statue de pierre. Une fine poussière sablonneuse tournoie dans l'air au gré du vent. Elle s'immisce sous vos vêtements et vous pique méchamment la gorge. Donc ça, on connaît. Alors, petit défaut de... Enfin, petit défaut. À ce que j'ai lu sur la malédiction, en fait, à chaque fois qu'on sauvegarde, on efface les cartes autour et donc... On peut a priori revenir prier. Là, ce qui m'a été indiqué, c'est que s'il y avait d'autres cartes 239, eh bien, je pouvais continuer à prendre des cartes de 239, en fait. Pourquoi pas? Ça, par contre, c'est dans la règle. En fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est. C'est plus drôle de trouver toutes les statues. Hein, de toute évidence. Mais là, rien n'indique que je ne peux pas reprier à nouveau devant cette... Est-ce que j'y retourne? Pourquoi pas? Ça va me coûter un petit peu de temps. Donc, je n'ai plus de bâton de marche. Donc, je vais devoir défausser deux cartes. Une et deux. Je vais garder la masse, évidemment.
Et je vais rajouter une 8 ici. Ensuite, je vais retourner prier à côté de la statue. Donc, je refais un gros plan avec la carte 239. 239. Pour une raison qui vous échappe, une idole massive évoquant vaguement un crocodile a été érigée dans cette contrée désertique. En vous approchant de la statue, vous remarquez qu'un liquide verdâtre s'écoule de ses yeux, comme si elle pleurait. Vous vous agenouillez un moment, tant pour témoigner du respect aux forces qui gouvernent ces lieux que pour reprendre votre souffle. Immédiatement après avoir révélé cette carte, Alors, ce qui m'a été conseillé, c'est qu'on pouvait peut-être refaire l'action, mais là, on ne peut pas. Donc, ce n'était pas un très bon conseil. Donc là, j'ai utilisé un espèce de mini-bug exploit, je crois, de la malédiction en sauvegardant et donc en faisant réapparaître cette carte. Néanmoins, à ce que j'ai compris, il va falloir un certain nombre de XP. Donc, je vais le faire quand même. Donc, immédiatement après avoir révélé cette carte, eh bien, là, je viens juste de la révéler. Donc, j'ai le droit de faire à nouveau l'action avec, où est-ce qu'elle est? Avec ceci. Hein, donc, ça va être, je vais prendre une carte 58. Enfin, le problème, ça doit être un. Hein. Saltani, Kassiker, Percept, Dasnak, Choisi, Fridani, Naza, Kri, Parcours, Srakash, Nakash, Récompense. Choisi, Parcours, Récompense. C'est ce que je comprends. L'offrande au gardien. Au départ, les chuchotements sont à peine audibles. Les voix allant et venant à leur guise, de temps à autre. Pourtant, certains mots ont un sens. Vous êtes désormais convaincu que quelque chose ou quelqu'un cherche à communiquer avec vous. Vous devez ranger cette carte, vous devez ranger une carte ayant le mot-clé gardien et dépenser 10 points d'expérience pour entreprendre l'action suivante. 445. Ok, quête majeure. Ah oui, rien que ça. Alors, j'ai pas 10 points d'expérience et j'ai pas de carte ayant le mot-clé gardien. Pour l'instant, en tout cas, c'est clair. Donc, je vais mettre ça sous la besace. Et bim. Voilà, donc eh bien, je vais cette fois-ci descendre la falaise. Donc je redépense, et ben là je redépense 3 cartes, mais c'est énorme. C'est énorme. Alors, hop. 3 cartes. Qu'est-ce qu'il y a sous les 3 cartes? Ah oui, alors je fais différent à chaque fois, j'ai du mal à intégrer cette carte, j'ai fait quelques petits misplays. Lorsque cette carte est révélée à l'étape de résultat d'une action, si au moins une racine volante est présente sur votre carte terrain, cette action se saute par un échec. Donc, il n'y a pas de racine volante, donc ce n'est pas un échec. Et donc, je mets une carte, une racine volante sur cette carte. Alors, je la mets où déjà? Sur votre carte terrain. Je pense que je la mets là. Voilà, comme ceci. Et je vais garder une carte. Alors, réfléchir. Ouais, de toute façon, c'est la même. Voilà, donc là, je m'approche de la fin du deck. J'ai une viande de crustacé en réserve. Alors, je dois encore dépenser 2 cartes pour me déplacer sur la falaise. Et j'ai 5 cartes en jeu. Alors, est-ce que ça vaut le coup de conserver Force et le Destin? Ça m'intéresse. Ça doit être sympa, cette carte-là, mais... Je vais prendre Force et le Destin. Et donc, j'ai 6 cartes. Donc, je vais devoir en défausser une. Il
Je vais enlever réfléchir. Comme ceci. Donc ensuite, je vais forcer le destin. Défausser cette carte, puis un participant peut choisir jusqu'à deux cartes de sa main et les mettre au sommet du deck action. Donc je vais défausser. Je ne vais pas le faire tout de suite, on va attendre. Donc je vais défausser ça et ça pour être sûr d'avoir en deux cartes trois succès. Est-ce que je m'en servirai pas pour ouvrir ma boîte de conserve? Ouais, ça ne va pas être possible puisqu'il y a un petit cadenas. Bon, on verra tout à l'heure. Alors là, j'ai une action d'escalade. 4 actions, 4 succès. Donc pour escalader, j'ai une corde qui me permet d'avoir un succès et un 7 pour les succès. Donc je peux avoir déjà 3, bah ça doit être bon. Ça doit être bon. Donc je vais, je pense, arriver à descendre cette falaise. Donc je défausse, forcé par le destin. Et je peux mettre donc deux cartes de ma main et les mettre au sommet du deck action dans l'ordre de mon choix. Donc on va mettre ça au sommet. Et ensuite, je fais l'action escalade. Donc je passe. Donc j'hésite à réduire la résistance de ma housse de protection au lieu de réduire la résistance de la corde. Je ne sais pas tout à fait si ça fonctionne. J'ai posé la question à quelques amis. On verra plus tard. Pour l'instant, je vais passer ça à 1. Et donc je décide de piocher deux cartes pour faire mon action. Il faut que je pioche au moins 4 cartes, moins 1, ça fait 3. Donc je suis obligé de piocher 3 cartes, tant pis. 1, 2, 3. Oui, ben, il y avait une carte malédiction, donc du coup ça marche. Ça fait 4 succès, c'est bon, j'ai réussi à descendre. Donc je mets en jeu une carte 326 ou 43. Donc ça c'est la combien? C'est la 326, donc je vais aller chercher la 43. Vous atteignez une petite anse rocailleuse à l'abri d'une falaise granitique. Les vagues s'écrasent sans ménagement sur les récifs qui bordent le virage. Au sol, vous distinguez une singulière marque turquoise. La fameuse marque, oui, effectivement. Que j'ai loupé d'ailleurs, que j'ai loupé sur la partie précédente. Alors, je constate la présence de la plante rouge, mais je ne vois pas la plante, je ne vois pas de mélisse, malheureusement. Alors, je vais être obligé de remonter tout ça et de me mettre ici. Ah, mais c'est un cul-de-sac! Ah là là, mais c'est un cul-de-sac. Merde, merde et merde. Alors, je vais d'abord examiner. Ça sert à rien, ça va me faire perdre mon temps. Je vais par contre examiner ici. Donc, je vais piocher une carte. Ça sera du petit bois. Et je vais aller chercher la 287. Je dois avouer qu'Arkham est passionnant, mais ce jeu-là l'est aussi. Hein. Il n'y a pas de doute. 287, il y en a plusieurs. J'ai pris la première. Vous prenez appui sur un gros rocher et repérez de nombreux poissons qui nagent non loin. L'endroit semble être propice pour pêcher. Ah oui, ça c'est intéressant. Alors, on peut pêcher en fonction du nombre de succès obtenus. Prenez le nombre de cartes 200 indiquées. 1 à 3 succès, une carte de 100, 4 ou plus, 3 cartes de 100. Révélez-les. Si au moins un participant est ensangloté, vous devez défausser
une de ces cartes n'ayant pas le mot-clé prédateur. Choisissez une seule des cartes restantes qui représente le résultat de votre pêche. Rangez les autres cartes. Alors, pour pêcher, j'ai un petit bonus ici. J'ai un petit bonus d'un succès. Néanmoins, ça va être super dur. Ça va être super dur parce qu'il me faut... Ah ben, il me faut qu'un seul succès. Ouais, c'est raisonnable. Alors, est-ce que j'aurais pas un truc qui me permet de pêcher en prenant moins de cartes? Eh bien, la réponse est non. De toute façon, je vais prendre un certain nombre de cartes. Donc, si je prends deux cartes, je peux miser sur un succès. Plus le succès de mon état sale, ça fait deux succès, il m'en faut quatre. Il m'en faut quatre. Je pense que ça va me coûter bien trop cher pour avoir quatre succès. Ça va me coûter bien trop cher. Donc je ne vais prendre que deux cartes. Une et deux. Drôle de rencontre. Alors ça je n'aime pas. Je ne sais pas si mes parties suivantes, je vais les faire avec cette extension. Alors, sinon, à l'étape de conséquence, mettez une figurine, une racine volante en jeu sur l'objet. Donc, ces trucs me suivent à la trace. C'est extrêmement casse-pied. Alors, c'est vrai que ça rajoute 4 cartes d'énergie dans le deck action, mais bon. Donc, du coup, je ne garde rien. Et j'ai qu'un seul succès. Donc je vais aller prendre une carte de sang. C'est la première fois que je pêche dans ce jeu. Une carte de sang, je prends la première qui se présente. Bredouille, votre patience atteint ses limites, les poissons ont dû vous repérer. Merde. Merde, 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 merde. Ça c'est dommage. Alors, je mets ça sous le passé. Alors si l'installation du jeu est rapide, le rangement du jeu, lorsqu'il faut ranger toutes les cartes figurant sous la carte passée, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Alors ensuite, je dois faire quoi? Relisons la carte. Eh bien ça, je bannis et je prends la carte dorée à la place. Donc, c'est la carte 287 dorée. La voici. Les poissons ont sans doute remarqué votre présence car vous avez le plus grand mal à en apercevoir. Sans le matériel approprié, il sera difficile de pêcher. Ah oui, là, il faut 6 succès, c'est énorme. Bon, bah, je vais cartographier ici, c'est la 256. 256. Vous contemplez les falaises qui bordent le sud du continent à perte de vue. Est-il vraiment raisonnable de quitter cet endroit par la mer ? Compte tenu des nombreux récifs qui jalonnent le rivage, la nage semble être le seul moyen de quitter cette anse par la mer. Donc il y a le petit escalier, donc ça veut dire qu'on va quitter le lieu. Rangez toutes les cartes du plateau et du passé, mettez une carte 125 en jeu. Chaque joueur y place sa figurine. Alors, est-ce que je dois quitter cette île? Est-ce que toutes les idoles sont sur la même île ou pas? Eh bien, je n'en sais rien du tout. Alors, 4 succès. C'est énorme. Il va falloir que je dépense au moins 6 ou 7 cartes et c'est la totalité de ce que j'ai. Dans mon deck action, donc ça va être un petit peu compliqué.
Alors, est-ce que je ne ferai pas du feu? Je n'ai pas de silex. J'ai du petit bois. J'ai du petit bois avec le mot-clé vigilance. Il me faudrait du bois. Je n'ai pas de bois. Alors un truc où j'avais pas fait gaffe, endurance, endurance. Donc je vais plutôt le mettre là-dessous. Je m'autorise un poil, ce qui m'évitera de me poser des questions sur cette housse de protection, parce qu'en fait je ne sais toujours pas si lorsque je dois défausser une utilisation de cet aliment, je peux à la place défausser une utilisation de la housse de protection. Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Donc là, je mets ça sur 6. Et je vais aller faire du petit bois. Je vais utiliser petit bois. Donc j'ai besoin de deux succès. De zéro succès, je dois piocher deux cartes. Donc je pioche deux cartes. Se souvenir. Et un radeau. Alors, si je veux quitter l'île, ben, je peux peut-être le faire. Bien. Donc je mets un petit 1 dessus. Alors il y a le mot-clé vigilance. Donc je vais le mettre ici. Et je vais mettre ça sur 3. Ensuite, je vais faire du feu. Donc une carte. Je peux utiliser éventuellement ma corde. Est-ce que j'utilise ma corde? Bon, ça vaut pas le coup. Je vais piocher une carte. C'est ma dernière carte d'ailleurs. Un examen médical. Et donc il me faut quand même un succès. J'ai un succès dessus. Donc la question ne se pose pas, mais j'ai eu chaud. Donc je peux mettre une petite figurine feu ici. Et ensuite je vais faire cuire les aliments. Donc je vais défausser. Quatre utilisations. Donc je vais passer ça sur 2 pour aller chercher. Pour aller chercher 4 x 6, 24. 24 cartes. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup? J'utilise 36 cartes. Je vais aller chercher 36 cartes. Et je vais défausser entièrement l'objet. Hein, pourquoi pas, hein. C'est comme ça que je comprends le jeu. Après, vous me direz si je me trompe ou pas, mais bon, je ne pense pas faire d'erreur. Donc, 36 cartes. Je mélange. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Et voilà. Par contre, je défausse la pelle, la housse de protection et le crustacé qui va dans le passé. Ensuite. Une fois que c'est fait, donc j'ai deux solutions. Ou bien je remonte en haut, je suis perplexe.
Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ou bien je prends le radeau. Est-ce qu'il faut faire plusieurs îles pour avoir toutes les idoles? Voilà une question intéressante. Bon, j'ai pris ma décision. Je pense que je vais aller examiner cette trace, puisqu'il va me falloir la réponse à cette question avant de poursuivre l'aventure. Donc, je vais remonter en haut et je vais devoir utiliser ma corde. Donc je passe l'objet sur 0, ce qui me permet de piocher 3 cartes seulement, mais il me faut 4 succès. 4 succès. J'ai toujours pas utilisé la capacité de Pendleton. Il faut des cartes endurance. Alors j'ai un succès en réserve, car j'ai endurance ici et endurance ici. Donc j'ai 2 succès au minimum. 2 succès au minimum. Je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Que voici. Donc j'ai un succès ici et je vais un succès, deux succès. J'ai pas de 7 dessus et trois succès. Donc c'est raté. Merde. Merde, merde et remerde. Ben c'est raté, hein. J'ai raté mon escalade. Vous lâchez prise et vous écrasez lamentablement sur le rivage en contrebas. Mettez une carte 43 en jeu à l'emplacement indiqué. Si elle n'y est pas déjà, chaque participant y déplace sa figurine et prend une carte 104. Merde. Et un objet à moins 4. Alors que je ne me trompe pas. Que je me trompe pas, j'ai un succès ici, j'ai deux succès ici et je peux en avoir un troisième en défaussant deux cartes endurance. Ça fait trois succès et il m'en faut quatre. Il n'y a pas à tortiller, c'est raté. Donc je défausse tout ça. Je défausse tout ça. Ça retourne dans le passé. Et on a dit que je perds un objet cassé, donc 3 moins 4 égale moins 1, je défausse tout ça. Donc me voilà nu comme un ver. Et en prime, je vais chercher une carte 104. J'aurais peut-être dû assurer. Brûlure superficielle, coupure profonde ou fracture couverte, quoi qu'il en soit, c'est très douloureux. Je suis blessé. La plaie saigne abondamment. Chaque participant prend une carte 105. Si on échoue à se soigner, donc j'ai déjà deux cartes rouges. Non, non, c'est bon, je reste sale. Immédiatement après avoir révélé cette carte, le joueur actif range ses états ensanglantés ou affamés. Non, c'est bon. Je reste sale. Y a pas de doute là-dessus. Bon, eh ben, il va falloir que je recommence. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, est-ce que je peux faire ce souvenir? Donc, ce souvenir et aller chercher la corde. Je vais chercher une carte dans la défausse. Est-ce que la corde m'est utile? Ben oui, la corde est utile, hein. Je la mets dans ma main. Alors j'ai que de la pierre ici. Néanmoins, il faut peut-être que je m'en serve. Donc je vais faire une masse. Donc moins 1 quand il y a la pierre, je dois prendre 2 cartes. J'ai un piège à ce moir et ce souvenir. Bah, je vais prendre ce souvenir, c'est pas mal.
Bim, et je mets un petit 3 dessus. Ensuite, eh bien, je vais faire la corde. Ça va me coûter 3 cartes la corde. Il faut bien que je reconstitue mon stock d'objets. Alors, je suis sur une partie de l'île où il y a une racine volante. Donc, c'est extrêmement fâcheux. Et je risque de rater à faire la corde. Et je risque tout autant de rater à faire de l'escalade avec une racine présente. Bon, pour l'instant, je garde ça. Et je vais aller chercher ma carte racine volante. Je vais essayer d'inspecter le végétal. Je vais piocher une carte. Sachant que j'ai deux cartes endurance. Eh bien, j'ai eu le succès requis. Donc, j'ai malheureusement trop de cartes. Je vais défausser le radeau par rapport à ce que j'ai fait. Et donc, c'est réussi. Je vais prendre une carte 829 et je retire une figurine racine volante. 829. Il y en a plusieurs. Immédiatement après avoir révélé cette carte, bannissez deux cartes vertes 829. L'une des pustules sécrète une matière collante à laquelle des dizaines d'insectes morts sont agglutinés. Cette sève pourrait sans doute servir à consolider certains de vos objets. Alors, je bannis déjà deux cartes 829. Et à la personne qui m'avait fait une remarque, je n'avais pas oublié de bannir les deux cartes 829 la dernière fois. Je fais des misplays, mais pas tout le temps quand même. Donc, je bannis. Voilà, c'est fait. Et je prends une carte 3. Que voici. Ce jeu est passionnant. J'adore. Franchement, j'adore. Il y a l'aventure au détour de chaque carte. En fait, je trouve ça super sympa. Un souvenir de votre précédente expédition vous revient en mémoire. Harvey était si enthousiasmé par les découvertes effectuées au cours des deux dernières semaines sur le continent qu'il négligea de manger et de dormir suffisamment. En première difficulté, il fut le premier à vous quitter. Un point d'expérience. Je m'attendais à autre chose, mais bon, c'est un point d'expérience. Chaque participant peut ajouter plus 1 à la résistance d'un objet contenant au moins une carte objet pour laquelle la ressource bois et bambou entre dans la composition de l'objet. Bannissez cette carte. Eh bien, la masse, c'est parfait. Il y a du bois. Je passe à 4. Et je bannis cette carte. Ensuite, le problème est entier. Je dois remonter. Je dois remonter. Mais je n'ai plus la racine volante. Donc là, c'est plus intéressant. Donc déjà, je vais défausser 3 cartes pour faire une corde. 1, 2 et 3. Je sais, ça coûte cher, mais je le fais quand même. Donc j'ai besoin de 0 succès. J'ai formation universitaire, ça peut me servir à me soigner. Ou alors des bandages. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Donc pour me soigner, alors est-ce qu'il vaut mieux pas les bandages? Sachant que je n'ai pas le matériel requis, je vais prendre la formation universitaire. Et j'ai fait ma corde avec 4 d'utilisation. Donc je vais l'utiliser pour remonter en haut. J'ai besoin de 4 succès. J'en ai un ici et j'ai toujours mes 2 cartes endurance. Il me faut au moins 3 succès. Alors là, je vais assurer. Je vais prendre 4 cartes. 4 cartes, est-ce que ça va être suffisant? Sachant que j'ai combien de malédictions là-dedans? 1, 2, j'en ai 3. Allez, je vais prendre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. J'espère que je n'ai pas été trop radin. Alors voilà, j'en ai plein. C'est toujours comme ça. Donc là, j'en ai 4 directs.
Donc j'ai étudié les notes, la flûte de Pan, la bonne étoile ou l'arc. J'ai envie d'étudier les notes. Par contre, j'ai 6 cartes en main. C'est embêtant. Je vais défausser le combustible. Je sais que je ne joue pas encore super bien, mais il est normal que la courbe d'apprentissage de ce jeu soit exponentielle. Hein. Il y a certainement des combos que j'oublie, hein. Ça c'est clair et net. Alors, eh bien, je vais étudier mes notes. Donc d'abord, j'ai réussi. Donc je peux passer ici, comme ceci. Gros plan sur la case où je viens d'arriver. Donc il y a encore cette race bleue. Donc j'en ai déjà 3. Et je vais essayer d'en avoir bien plus. Donc j'étudie mes notes. Je prends une carte. C'est un échec, mais je vais défausser 2 cartes avec le mot-clé endurance pour avoir un succès. C'est la capacité d'Elliot Pendleton. Je vais prendre 2 cartes 50 et je vais en choisir une. J'adore prendre des cartes 50. Alors, de l'obélis. Sur cette page arrachée au journal d'un botaniste, vous pouvez lire. La poudre obtenue à partir de filaments d'obélis broyés peut être mélangée à la nourriture pour stimuler les fonctions du cerveau ayant trait à la mémoire. Martin G. Sanders. Lorsque la plante est présente, sur la carte terrain où vous êtes, choisissez les cartes que vous prenez dans la défausse au lieu de les prendre au hasard. Ouais, brof. Partition, le mangeur d'espoir. Tiens, ça ressemble aux idoles. Vous devez utiliser une carte ayant le mot-clé musique pour entreprendre l'action suivante. Ça ressemble à un requiem. Prenez une carte 809, elle est disponible dans le deck aventure. La complainte sinistre que vous produisez vous mine le moral. Je vais prendre ça plutôt et je vais essayer d'avoir ma flûte. Et donc je remets ça. C'est marqué. Et ranger l'autre. Donc je vais la ranger eh bien, à l'arrière des cartes 50. Alors les cartes 50, il y en a plein. Hein. C'est super. Bon. Eh bien, me revoilà tout en haut, ce qui va me poser quelques petits problèmes pour correctement filmer, puisque c'est assez loin. Mais bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Donc, j'ai pas le choix. Je dois découvrir cette carte. Émanation toxique. Le vent charrie des vapeurs nauséabondes. Eh bien, j'aurais dû me soigner. J'ai oublié. Tant pis. Immédiatement après avoir révélé cette carte, je dois défausser un certain nombre de cartes action par rapport à mes cartes rouges. Je dois donc défausser 3 cartes. 1, 2 et 3. Et ensuite, je dois faire une action de repérage. Il me faut 2 succès. Sinon, je suis aveuglé. Je vous remonte la carte. Ben ça vaut le coup de réussir. Hein. Alors, je n'ai pas d'objet qui me permette de m'orienter. J'ai pioché 4 cartes. Hein. J'ai pas envie d'être aveuglé. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, j'ai combien de succès? Mais c'est un festival, c'est toujours comme ça. Alors par contre, je vais faire apparaître une racine volante. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 succès, rien que ça. Et je vais garder le bâton de marche. Et je fais apparaître une racine volante. Ça commence à rentrer. Ainsi que la carte. Donc je peux bannir cette carte. Donc je ne tomberai plus sur les éliminations toxiques. Et je peux prendre la carte 313. Que voici. La pente semble de plus en plus raide. Le paysage, toujours aussi morne, ne recèle aucun signe de vie. On est déjà passé par là, je vous le rappelle.
Effectivement, on voit des émanations toxiques d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas de... Je trouve que le bélis, on n'en voit pas beaucoup. Voilà, donc je vais en remonter très très haut. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc, je vais faire apparaître une carte 8 tout en haut, là-haut. Alors, j'ai de la pierre, mais je n'ai pas de bois. Donc, pour faire le bâton de marche, ça va être compliqué. Alors, pour l'instant, je vais défausser deux cartes. Non, d'abord, je vais me soigner. Parce qu'on ne va pas faire les conneries 36 fois quand même. Donc, pour me soigner, je suis blessé. Il me faut trois succès avec deux cartes minimum. Sachant que ma formation universitaire me permet d'avoir un succès, de piocher une carte en moins. Donc je vous propose de piocher trois cartes pour soigner. Trois cartes, ça me paraît raisonnable. Pour avoir trois succès, sachant que j'en ai un, les trois cartes. Bim. Alors, j'ai combien de succès? J'ai un succès. Ah, c'est pas vrai. Je n'ai que un succès. Je n'ai que un succès, plus un deuxième succès grâce à ma formation universitaire. C'est un échec. C'est un échec. Chaque participant prend une carte 105. Alors, je vais quand même garder un truc. Je vais garder le silex. Je fais défiler les cartes, c'est un truc de malade. 105. Mais bon, je sais que je ne vais pas réussir cette malédiction du premier coup, c'est pas possible. Vos vêtements sont couverts de sang. Est-ce le vôtre ou celui d'un animal blessé? Vous êtes ensanglanté. Mais c'est quoi? C'est plus une blessure, c'est monstrueux. Donc me voilà avec 4 cartes rouges. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je suis toujours pas plus avancé pour le soin. Et j'ai pris un énorme risque. J'ai une racine volante ici. J'ai pris un énorme risque. Alors, est-ce que j'examinerai pas à nouveau cette racine volante en faisant l'action qui est ici? Parce que les racines volantes, c'est extrêmement casse-pied. Donc il me faut un succès. J'ai combien de cartes endurance? Je n'en ai qu'une. Donc je vais piocher deux cartes pour examiner la racine volante. Eh bien, c'est un échec. L'action se solde par un échec. C'est aussi simple que ça. Merde. Donc j'ai échoué à l'examiner à cause de cette carte. Bah, je vais devoir recommencer. Je vais devoir recommencer deux cartes pour examiner la racine volante. Et là, j'ai deux succès, donc c'est bon. J'ai des bolas et réfléchir. Alors, est-ce que j'aurais pas pu faire un objet avant? Mais ouais, je devais faire un objet. Le silex rudimentaire, il y a de la pierre. Il est bien évident que je le fais immédiatement, car j'ai une carte avec un mot-clé agressivité. Donc, je le mets là-dessous et je le passe sur 5. Et ensuite, je vais garder réfléchir. Je défausse ceci. Et donc, je peux retirer une racine et aller prendre une carte 829 à nouveau.
Alors, immédiatement après avoir révélé cette carte, bannissez la carte Racine Volante présente sous la carte Besace et Carnet et prenez une carte 840. Alors, mais cette extension est diaboliquement intéressante, hein. C'est surtout la première fois qu'on y joue. Donc, je bannis cette carte. Je bannis cette carte et je vais prendre une carte 840. 840. Cette première série d'examens vous a permis de faire plusieurs découvertes intéressantes. Bien qu'essentiellement végétale, feuillage, racines ligneuses et fleurs exotiques, constituant près de la moitié de sa masse, la plante possède également des composants organiques stockés dans les pustules qui la coiffent. La plus grosse d'entre elles semble remplie d'un gaz suffisamment léger pour permettre à la plante de s'élever dans les airs. Les autres sont remplies de liquide dont vous ignorez la fonction. Mais l'une d'elles semble fortement toxique. Propriété notable. Si au moins une figurine racine volante est présente sur votre carte terrain, vous pouvez appliquer l'effet suivant. Ah, ça c'est peut-être intéressant. À savoir que lorsqu'on construit un objet, eh bien, on a à disposition des feuilles et des lianes. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on peut continuer l'examen. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Souvent, je le dis que sur Arcane, mais là, Sirius Poulpe, je suis scotché, hein. Bon, le but, c'était d'enlever ma figurine racine volante. Donc, pour deux, est-ce que je fais mon bâton de marche tout de suite? Donc, le bâton de marche, c'est volonté. Et ça va me coûter deux cartes. Allez. Deux cartes. Peinture de guerre et cordelette tressée. J'ai pas de quoi faire un silex, donc je vais garder la cordelette tressée. Donc le bâton de marche, un petit 4. Ensuite, je vais défausser l'utilisation de mon bâton de marche pour remonter en haut. Et je vais. Nom de Dieu, mon bras n'est pas assez long. À table. Ah, une créature velue de la taille d'un petit cochon. De lait gît au pied d'un cactus. On peut le prendre 1 et 275, bannissez cette carte. Ou alors vous passez votre chemin, chaque participant prend une carte 106, défaussez cette carte. J'ai pas envie de passer mon chemin. Donc une carte 1 et 275. C'est ce que je vais faire. Donc je vais bannir cette carte. Donc une carte 1. Viande et crustacés, super. Donc avec les mots-clés endurance et aliments, je n'en ai pas. Donc je mets mon dernier dé dessus. Et une carte 275. Il n'y en a qu'une. Vous vous approchez de la dépouille de l'animal, salivant déjà à la perspective du bon repas qui vous attend. Brusquement, vous commencez à vous sentir fébrile et être gagné par une inexplicable anxiété. Vous vous affaissez sur le cactus dont les épines vous entaillent douloureusement. C'était un piège, mon Dieu. Votre sang s'écoule et vous réalisez avec horreur que la plante s'en alimente. Vous tentez de vous lever, mais l'angoisse vous paralyse. Chaque participant prend une carte 103 et 105. Merde! Je me suis laissé prendre comme un bleu. Alors, chaque participant prend une carte 103 et 105. Alors, 103 et 105. 103, la voici. Et la 105, la voici.
Votre cœur bat la chamade. Au moindre bruit suspect, vous tenez plus que jamais à la vie et la perspective de la mettre en danger vous est insupportable. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je suis effrayé. Aïe. Et là, on a une carte ensanglantée. Donc, normalement, on ne peut avoir qu'un seul état. Donc, je peux ranger cette carte. Par contre, ça va me coûter fort cher. Car j'ai 1, 2, 3, 4 cartes rouges. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai défaussé les cartes. Ouais, je pense que là, ça ne s'applique pas. Et me voici donc avec une carte effrayée. C'est difficile, hein. Et ensuite, alors je vais être obligé de faire l'action qui est ici. Il me faut un succès pour une carte. Vous surmontez les pensées angoissantes qui vous envahissent et vous vous éloignez au plus vite des toxines émises par le cactus. Chaque participant range son état effrayé. Il me faut un succès en raisonnant. Ok. Bon, comme je vais le faire tout de suite, je ne vais pas aller reposer la carte là-haut. Est-ce que j'ai deux cartes avec de l'endurance? Non. Donc je peux échouer. Alors, est-ce que je ne ferai pas réfléchir avant? Je vais faire ça, réfléchir. Prenez jusqu'à 7 cartes au hasard dans le deck action. Vous pouvez ajouter une carte à votre main et devez mélanger les autres dans le deck action. Ah non, c'est monstrueux ça. Prenez 7 cartes au hasard dans le deck action. Vous pouvez ajouter une carte à votre main et devez mélanger les autres dans le deck action et ou défausser. Super. Défausser cette carte. Donc je vais faire ça. Donc je vais prendre. Mais j'en ai plus que deux. J'en ai plus que deux. Je ne vais pas faire ça. Bon, allez, je vais piocher les deux cartes. Je vais piocher les deux cartes. Eh bien, c'est un échec. C'est un échec. Non, c'est pas un échec. J'ai pas de racine volante dessus. Mais par contre, il y en a une qui arrive. Bim. Et bah, c'est un succès. J'ai trois succès. Donc, c'est bon. Je range mon état effrayé. Carte 103. Et ensuite, alors ça, j'aurais dû le ranger. C'est un oubli. Carte 1 et 200. C'est banni. C'est banni. Je la range. Et je vais pouvoir défausser cette carte et faire apparaître la carte suivante. C'est la carte 288. La fin de cette partie s'approche. Je pense que je vais pas aller très très loin. Une piste caillouteuse monte en pente en direction du sud. Seuls quelques arbustes chétifs parviennent à pousser sur ce sol aride. Aucun espoir de trouver un quelconque réconfort dans cette terre désolée. Voici. Alors, on est revenu à l'espèce d'idole. C'est super loin. Alors, est-ce que je pourrais pas un poil décaler quand même? Parce que, de toute façon, je pense pas que je me serve du radeau. Donc, on va essayer de gagner un petit peu de place. Un poil. Et ensuite, à nouveau... C'est du 8. Ensuite, alors je vais me déplacer avec mon bâton de marche. Donc au lieu de prendre... alors, on est arrivé au bout du deck, action. Donc on va passer... je vais remélanger la défausse.
Je vais la mettre face cachée, mais ça reste la défausse. Alors, est-ce qu'avant de faire ça, je ne ferai pas la petite action? Donc ça, c'est ma défausse. Est-ce que je ne ferai pas l'esprit est plus fort? Je pioche une carte, il me faut zéro succès. Je prends un risque parce qu'il y a une plante maudite là-dessus. Et si je prends la mauvaise carte, eh bien, je risque d'y laisser des plumes. Alors, j'ai de la feuille et du roseau. Est-ce que ça ne me servirait pas? Enfin, de la liane. Je peux faire une cordelette tressée pendant que je suis ici. Il va falloir que je fasse ça. Pour l'instant, je fais l'esprit est plus fort. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Le crépuscule des idoles, Friedrich Nietzsche, 1888. Vous pouvez certainement entreprendre l'action suivante s'il n'y a plus de cartes dans la texte action. Bah, c'est le cas. Donc il n'y a plus de cartes dans le deck action, ok. Donc je vais piocher une carte, il me faut zéro succès, je prends une 440. Suspense. Eh bien c'est raté. J'ai quand même pas de bol du tout. Je n'ai pris qu'une seule carte et l'action est ratée. Eh bien, ça signifie la fin de cette partie et de cet essai. Hélas, je n'ai pas le droit de tricher, c'est rigoureusement interdit. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne vais même pas aller voir la carte 440, je ne saurais pas sur cette partie ce qu'il y a sur cette carte. Je suis dégoûté. Il n'y a rien à faire. Est-ce que j'aurais pas deux cartes endurance? Non, je n'ai pas deux cartes endurance. Enfin, de toute façon, hein, dès que je tire une carte malédiction dans la défausse, c'est mort. Bon, eh bien, que dire? Je suis sans voix. Je suis sans voix derrière ma petite caméra. Et eh bien, je vais m'arrêter là, malheureusement. Mais au cours de ces trois sessions de jeu, j'ai beaucoup appris sur le jeu, sur cette malédiction, mais aussi sur le jeu, hein, sur ses pièges, sur la façon de manipuler les objets, de les comboter. Alors, je suis loin d'arriver au bout, mais je pense que j'ai un petit peu progressé, non seulement grâce à la partie, mais aussi grâce à vos conseils que j'ai trouvés dans les commentaires et dont je vous remercie vivement à nouveau. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette session et je dois avouer que le 7e continent est l'exacte représentation que je me fais d'un vrai jeu d'aventure à l'aide d'un simple paquet de cartes. Je trouve qu'on vit des émotions très sympas. C'est pas la même chose qu'Arkham, ça c'est clair, hein, c'est moins Arkham et comment dire, on est plus flatté en jouant à Arkham, en jouant à Revolver, en jouant à un événement, c'est plus valorisant. Et là, c'est un petit peu punitif, on est un petit peu dans l'échec, on est un petit peu dans le blessé, dans l'ensanglanté, on est mal, quoi. On est en permanence mal, on est toujours sur le fil du rasoir. Mais c'est diaboliquement intéressant. Donc quand je pense que j'ai tout ça à faire, et que à suivre, il y aura la 7e citadelle, ça me fait peur. Donc je ne sais pas si je diffuserai tout sur la chaîne, parce que une malédiction, c'est 10 heures. Est-ce que 10 heures de vidéo, c'est intéressant? Je ne suis pas sûr, mais bon, on va voir. En tout cas, je vais rejouer très très prochainement, après une nouvelle partie. Je ne sais pas ce que je vais faire sur les parties suivantes, donc on verra. Bonne soirée à vous, bon après-midi, bon ce que vous voulez. J'espère à bientôt sur la chaîne Arkham TV Le Monde Ludique. Et je suis vraiment navré d'avoir été aussi nul, enfin aussi pas très bon, quoi, et d'avoir échoué après seulement 3 sessions et seulement deux cartes idoles. Je suis impatient de rejouer. Ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt.